Procédons par ordre. Avez-vous votre lanterne, Marc? Bah oui, mais... Oui, mais quoi? Mais pourquoi faire? Élémentaire, c'est pour y voir plus clair. Ah, bah oui. Ah, c'est gentil à vous, Marc, d'éclairer ma lanterne. Je ne vais pas l'allumer. Vous voulez l'allumer? Je ne vois rien, j'ai pas mes lunettes, Sherlock. C'est pas possible. Ah, bah, t'y arrives pas non plus, hein? Oh, merci, mademoiselle. Ah, voilà, c'est mieux. Montrez son Marvel. Vous êtes sûr que nous sommes bien dans le manoir de Monsieur Lenoir? J'en suis sûr, Marvel. Ah, et vous savez de quoi il en retourne? Non, pas tout à fait. Mais je n'ai pas de précision, mais quoi de mieux que mes lumières pour éclairer le noir? Mon vieil ami m'a demandé de venir enquêter discrètement dans son manoir. Car il soupçonne un drame imminent. Sherlock! Oui? J'aperçois une pièce là! Ah, allons-y, Marple! Sherlock! Oui? C'est une pièce avec un lit! Eh bien, nous voilà dans le bon drap! Sherlock, je peux vous poser une question? Bien sûr, Marple! Vous avez des origines anglaises? Oui, Marple! Alors, pourquoi ce kit? De par mon grand-oncle McFleury, figurez-vous que j'ai une racine écossaise et j'aime bien la faire voir. Mais vous le voyez bien, Marple, je fais les premières constatations. Les indices, c'est capital, Marple. Les objets nous parlent. Ah bon, moi j'entends rien. C'est parce que vous n'écoutez pas, Marple. Regardez ce livre. J'écoute ou je regarde? Mais enfin, Marple, vous faites exprès ou quoi? Bon, écoutez-moi et regardez ce livre. Alors? Je regarde... Que constatez-vous? J'écoute, je regarde, mais je n'entends rien du tout. Mais c'est pas possible. Vous n'avez qu'à l'écouter avec vos yeux. Alors? J'attends. Eh ben, je vois, mais j'entends rien. Hein. Ce livre. C'est un lit à une place. Alors, puisque c'est un lit à une place, cela nous indique que cette chambre est occupée par une seule personne. Et cette personne est un homme. Oh, alors là, Sherlock, vous m'épatez, hein. Waouh! En même temps, c'était facile, hein, c'est vous qui avez la loupe. Ouais, mais qu'est-ce qui vous fait penser que cette chambre est occupée par un homme? Mais les chaussettes... Quoi, les chaussettes? Quelles chaussettes? Enfin, de quelles chaussettes parlez-vous? Mais les chaussettes sales au bout du lit, mais vous n'avez donc rien senti? Oh, dites donc non, hein, vous m'avez demandé d'écouter, de regarder, vous m'avez pas demandé de sentir. Écoutez, j'entends du bruit. J'ai rien entendu, vous passez-moi votre tour. Non, 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 vite, 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 partons d'ici, vite. Mais j'ai pas entendu, c'est pas. Oh, mais vous êtes pas bon, oh là là, c'est affreux, c'est affreux. Oh là là, c'est affreux. Ah, madame Leblanc, oh, c'est affreux le colonel Moutard. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Il est arrivé un malheur. Mais calmez-vous, mademoiselle Rose. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, voilà, comme chaque matin, je lui amène son petit déjeuner. Il n'était pas dans sa chambre. Oui, mais il était peut-être sorti, enfin, bon. Non. Parce que quand je suis rentrée dans sa chambre, son lit n'était pas défait. Ouais. Il avait laissé ses chaussettes sales. Ça, c'est pas son genre. Ah, effectivement, s'il avait laissé ses chaussettes sales, non, mais c'est très troublant. Et la paire, vous dites? Oui, c'est ça, c'est la paire. Donc une seule chaussette? Mais non, les deux. Oui, non, ce n'est pas possible. Pourquoi pas ça, s'il vous plaît? Parce que la paire, il n'y en a pas deux. Pas bien de vous moquer. Qui est dans le malheur? Bon, mais peut-être a-t-il rencontré quelqu'un hier soir? Et qu'il est rentré avec une grande blonde à forte poitrine. Oh non, c'est pas possible, pas mon colonel Moutard. Je suis sûre qu'on a dû lui faire la peau. Ah bah oui, la peau de moutarde. Pas possible de moquer comme ça. Peut-être est-il reparti chez lui. Ah oui. Et ne me dites pas qu'il habite Dijon. Ah ben si, pourquoi? Non,
avait ramené le cousin à son bureau et qu'après qu'il irait se coucher. Ah, alors on peut dire que sa disparition a eu lieu entre hier soir et ce matin. Ah, vous voulez dire cette nuit? Oui, c'est bien ça. Entre hier soir et ce matin, c'est bien la nuit. Alors là, madame Fervage, vous avez le sens de la déduction. Vous auriez dû faire détective. Oh, mais sachez, mademoiselle Rose, que j'ai effectué une grande partie de ma carrière dans la police. Les stupes, la crime, peut-être? Ah non, non, pas vraiment, non. Mon rôle consistait plutôt à arpenter le trottoir et à... Ah, vous voulez dire les mœurs, alors? Oui, bon, enfin, passons. Revenons à nos moutons. Enfin, je veux dire à nos moutons. Savez-vous avec qui il avait rendez-vous? Que je me souvienne, avec un certain... Allo, quelque chose. Albert! Les personnes que vous supprimez, vous les
choisissez comment? Pendant un temps, j'avais pensé créer un site de rencontre. Un site de rencontre? Ouais, je voulais appeler ça mortelrencontre.com. Joli nom, hein? Je suis sûr que ça marchait à mort. Ouais, mais j'ai renoncé, c'était pas très discret quand même. Ouais, oui, j'en conviens. Ouais, ouais. Mais dites-moi, les personnes que vous éliminez, vous les tuez pas par hasard? Ah bah non, et attention, hein! Je suis pas un voyou, hein! Ni un assassin, ni un serial killer! Qui ça? Je suis un tueur à gage. Un honnête tueur à gage professionnel. Voilà. C'est la première fois que j'en vois. Et alors? Vous attendiez à quoi? Je sais pas, au cinéma, on les reconnaît tout de suite. Oh, oh ouais. Non mais soyons sérieux, colonel, on n'est pas au cinéma, là, hein? Vous voyez bien que j'ai pas un étui à violon avec une mitraillette dedans, quand même. Oui, enfin, ça, là, hein, c'est quoi? Ça, là? Oui. C'est mon sandwich pour ce soir. Vous avez pas l'appétit coupé, hein? Et pourquoi j'aurais l'appétit coupé? Je sais pas, moi, ça me couperait l'envie de manger, hein. Ah! Non mais attendez, moi aussi j'ai le droit à pause déjeuner comme tout le monde, non? J'ai même le droit de vivre, non? Non mais enfin, eh, en plus j'ai trouvé ce sandwich pour moins de 10 balles, alors. Ah! Vous voyez? Ah oui. Et vous êtes en service ce soir? Affirmatif. Personnalité politique? Non, ça c'était hier. Ah, c'est vous qui... Ouais, c'est moi. Ils en parlent là dans le journal. Là. Ah ouais? Ah ouais, en effet, hein. Ouais. Beau boulot, hein. C'est propre, ça. Efficace, rapide, enfin, professionnel, quoi. Tout à fait, oui. Et surtout, cela va nous éviter d'attendre le mois de mai pour voter. Absolument. Médiatique, alors? Non. Médiatique, ça c'est demain. Grand patron, peut-être? Non plus. Pas militaire, quand même. Et c'est là que le colonel Moutarde s'est levé. Oui, et alors? Eh bien, Al Capote s'est levé aussi. Et alors? Et alors, rien. Et puis c'est tout? Ils ont fermé la porte et j'ai plus rien entendu. Oh, mais c'est embêtant ça! Et vous êtes sûr que dans la manette il n'y avait qu'un sandwich? Avec ou sans moutarde, le sandwich? Alors,
Seigneur, cette robe vous donne facilement l'air d'avoir 20 ans. Allez, venez vous asseoir là à côté de moi. On va vous servir quelque chose à boire dans une seconde. J'ai invité quelqu'un que vous serez sûrement ravi de rencontrer. Lit Pêche, la célèbre actrice, celle qui a remporté toutes les récompenses au Festival International de Grésillac. Oui. Elle-même, c'est une très chère amie. Elle est... Bon, elle a dit qu'elle arriverait tôt. Enfin bon, c'est toujours ce qu'elle dit. Et puis vous allez voir, vous allez l'adorer. Elle est extraordinaire. Bon, c'est vraiment quelqu'un. Bon, enfin bon, elle a eu une vie d'enfer. Bon Dieu, ce qu'elle a pu déguster. Ah bon, mais que lui est-il arrivé? Les hommes. Elle a jamais eu un bonhomme qui soit pas un salaud. Tous des salauds tant qu'ils sont. Ils l'ont toujours abandonné pour la première petite roulure venue. Et puis elle leur a donné tout son argent. Elle a toujours fait ça. Et si elle ne leur a pas donné, ils lui ont pris. Ils lui ont pris jusqu'au dernier sou. Et après, ils lui ont craché à la figure. Enfin, heureusement que maintenant je suis là pour lui mettre un petit peu de plomb dans la tête. On frappe. Ça doit être Lily Pêche. Mon ange. Madame Violette, une très chère amie. C'est une pièce de musée. Elle est une épouse dévouée. Une épouse? Une épouse? Et c'est votre premier mariage, mon enfant? Oh oui! Le premier mariage. Ah, la jeunesse, la jeunesse. Quand j'avais votre âge, je me mariais aussi. Oh, mon enfant, chérissez votre amour. Gardez-le précieusement, vivez-le, riez, dansez d'amour pour votre mari, jusqu'à ce que vous aperceviez ce qu'il est en réalité. Ah! 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 Vous ne savez pas ce que c'est que de souffrir de l'estomac. Ah! Des années et des années. Je suis tellement navrée. Personne ne connaît cette angoisse, cette agonie. Ma douce Bergeange, ma douce, s'il te plaît, donne-moi un tout petit peu de ton merveilleux brandy. Tu crois vraiment que tu devrais m'agir? C'est le seul remède contre l'acidité gastrique. Bon! Mais n'oublie pas que tu as un spectacle ce soir. Geoffrey. Oui, madame. Geoffrey, servez un petit peu de brandy à madame Rémy. Dans l'eau gazeuse. Oh oui. Avec beaucoup d'eau gazeuse, beaucoup de glace, et puis tout le reste. Mais non, petite sainte. L'eau gazeuse et la glace sont de violents poisons pour moi. Tu veux glacer mon pauvre estomac affaibli? Tu veux tuer la pauvre Lily? Et vous, désirez-vous boire quelque chose? Oh non, je vous remercie. J'ai moi. J'ai beau être fatiguée, j'ai beau être malade, il faut que je me traîne là, 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 sur les planches. Principal étant représenté
D'abord, il y a le bébé. Vagisant et dégueulant d'air. Et comment marche la pièce, ma chérie? Oh, ça vasouille. Alors, complètement. Mais qu'est-ce qui ne vasouille pas dans ce terrible, terrible monde? Dis-le-moi. Et toi, dis-moi, à quelle heure as-tu commencé aujourd'hui, ma chérie? Oh, ne me gronde pas, monsieur. Lily n'a pas été vilaine. La presse était vilaine du tout. Je me suis levée tard, très tard, et j'ai beau me dessécher, j'ai pas de l'heure à mon petit déjeuner. Et je me suis dit, je le fais pour Lily, hein. Oh, écoute, arrête ça, tu m'entends? Arrête ça! Tu veux que j'en arrive à ce que j'ai dû faire la dernière fois? Tu veux que je te frotte devant mon invité? Tu ne te rends pas compte de ce qu'est l'acidité? Est-ce que je me souviens de l'estomac, petit visage intelligent? Eh bien, personne ne connaît cette angoisse. Ah. Bon, alors vas-y, évanouis-toi. Tu as le temps de dormir avant le théâtre. De dormir et peut-être même de rêver. Quel privilège! Oh! Oh! Ta douce Lily? Oh! Ma Lily se sent horriblement mal. Bon, écoutez, il faut que je vous laisse quelques instants, mais je reviens. Pendant ce temps-là, essaie de te reposer tranquillement. Ne m'échaufferai, ne me blessez. Restez toujours avec lui. Mais quand il les amènera à la maison, partez. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Quand il commencera à ramener ses fredelles à la maison, il sera temps pour vous de retrouver un peu de fierté. Vous devrez partir. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais c'était toujours trop tard. Ils avaient pris tout mon argent. C'est tout ce qui les intéresse. Vous les épousiez. Non. Ils disent que c'est de la boue. Mais c'est pas vrai. Oui, je suis riche. Mais nous, il ne rentre pas tous les soirs. Au secours, mon Dieu, au secours!
Prenez soin de vous, je vous prie. Moi? Oui, vous. Allez. Come on.
Pas de panique,
C'est Madame Leblanc. Elle fait partie de mon plan diabolique. Et bientôt, ce sera le tour de Lenoir. Et là, nous verrons, mon cher Sherlock, qui nous deux triomphera. Yes, patron. Quelle bonne idée j'ai eu de me faire passer pour Al Capote, le fameux tueur à gages. Le colonel Moutard n'y a vu que du feu. Et bientôt, ça va être le tour de Lenoir. Et alors, nous verrons, mon cher Sherlock, qui de nous deux triomphera. Car moi, le professeur Moriarty, le plus grand cerveau criminel que le monde ait jamais connu, le Napoléon du crime, moi et mon organisation, nous allons connaître notre Austerlitz. Et toi, Sherlock, tu vas connaître ton Waterloo. Tu me suis, Geoffrey? Ben, c'est pourtant facile. Pendant que Sherlock et sa Marple de pacotille enquêtent sur la mort de Madame Leblanc, et que le reste du manoir est à la recherche du colonel Moutard, nous allons pouvoir tranquillement trucider le noir. Et comme ça, embrouiller tout le monde par le mélange des couleurs. C'est clair, non? Enfin, la mort de Leblanc et de Lenoir va les obliger à faire travailler leur matière grise. Et c'est là que j'interviens avec mon intelligence supérieure. On va en faire une seule bouchée. À la sauce moutarde, bien sûr. Bon, eh ben, on est peut-être sans espoir, alors on va pas faire plus de temps. On va faire disparaître le corps de cette pauvre Madame Leblanc, d'accord, Geoffrey? Madame Colère! Qu'est-ce que tu dis, Geoffrey? Madame Colère! Ah oui, j'avais bien entendu. Non, mais tu as raison, Madame Leblanc, on a vu toutes les couleurs, c'est vrai. Mais c'est pas le moment de faire de l'humour, Geoffrey, c'est pas le moment, hein, même de l'humour noir. Allez, emportons Madame Leblanc! Allez, prends une jambe, je prends l'autre. Direction le passage secret. Et on n'est pas prêt de la revoir, parce qu'en plus, ce passage secret, c'est un véritable labyrinthe. Allez, par ici, la sortie, ma petite dame. Thank you.
prochaine, mais est-ce que vous pourriez me garder mon petit chien? Non, non, je n'en veux pas. Non, et je ne peux pas. Je suis sûre que vous adorez les bêtes, je vous le donne. Non, non, ce n'est pas possible. Il a un excellent pied de grue, vous savez. Pédigré, vous voulez dire pédigré? Si vous voulez, madame Brunette, mais sachez qu'à l'origine, on disait pied de grue pour l'arbre généalogique d'un animal. Eh bien, en vain une bonne idée. Ben, c'est assez logique, en fait. Schématiquement, un arbre généalogique ressemble à l'empreinte d'une patte de grue. Oui, et bien alors pourquoi on dit pédigré? Mais c'est à cause de ces fichus anglais qui prononçaient pédigré au lieu de pied de grue, et c'est resté. Bon, alors, écoutez, si je comprends bien là, quand j'attends bêtement debout, je dois dire que je fais pédigré? Ah non, là vous pouvez continuer à dire faire le pied de grue. Cela vient du verbe druer, qui signifie attendre, et de la grue qui servait à désigner une idiote. Faire le pied de grue signifie donc attendre en ayant l'air d'une idiote. Bon, eh bien, écoutez, vous savez pas, je vais pas attendre plus longtemps. Je suis désolée pour votre petit chien, mais vous savez, je suis sur le point de partir pour un long, très long voyage. Emmenez-le avec vous. Non, non, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais en faire alors? Qu'est-ce qui va devenir? Pauvre le chat. Le chat? Oui, je l'ai appelé le chat. Bon, enfin, écoutez, c'est bizarre, mais bon, enfin, pourquoi pas appeler un chien un chat, hein? Mais je sais pas, vous n'avez pas d'amis à qui confier? Votre mari? Non, je suis seule. Très seule. Oh, allons, allons, mon pauvre petit. Hein? Mais pourquoi voulez-vous absolument vous débarrasser de ce petit animal? Je ne peux pas vous le dire. Oh, allez. Il y a vraiment qu'à moi qui avait des choses pareilles. Vraiment. Attention! Ah, il n'est pas encore prêt. Oh, écoutez, vous faites bien de me le dire. Bon, écoutez, je vais le mettre dans la salle de bain, hein. Mais un instant, hein. Uniquement un instant. N'allez surtout pas vous imaginer que je l'adopte, hein. Allez, viens avec moi, hein. Le chien, faire chacha, hein. Le chien, chat. Plutôt ça. Non, mais enfin, là, ça vous fait bien.
tuer pour un homme alors qu'il y en a tant partout dans le monde. Philippe, c'est le seul que j'aime. Philippe? Oui, mon mari. Vous ne le connaissez pas encore? Non, pas celui-là. Mais vous n'avez pas, je ne sais pas, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, l'écriture, je ne sais pas, quelque chose que vous aimeriez faire. Je n'écris pas, mais je danse. Ah, et alors? Et vous dansez où? Oh, à la maison, mais en cachette. Ce ne serait pas du goût de mon mari. Mais après ce que je viens de découvrir, qu'importe qu'il faut penser. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qu'a pu, vous faire votre mari, et ça m'est bien égal. Mais écoutez, vous savez, avec Madame Pervenche, on organise une petite soirée entre amis. Et à cette occasion, j'ai demandé à une danseuse professionnelle de venir. Souhaitez-vous que je vous présente? Vous feriez ça pour moi? Oh ben dites non, et en plus, si ça peut vous rendre le sourire, mais c'est vraiment avec un grand plaisir. Allez, vous venez? Je vous emmène. Ouais, ouais.
qui nous sommes. Oui, c'est vrai, cette pauvre madame.
Elle est morte.
c'est ça. Bon, on a fini de jouer là, vous pouvez me détacher. Je vais échapper, belle. Fuyons avant qu'elle ne revienne. Surtout que le blanc n'aimait pas le noir. Ah bon? Oui.
s'appelle l'hôpital? Un petit hôpital au sud de la ville. Ah, l'hôpital de Garde Rose. Quoi? Il existe un hôpital pour me garder? Bon, ça va, ça ne peut pas s'exprimer. Je disais que je travaille dans un petit hôpital au sud de la ville. Et non, il ne s'agit pas de l'hôpital Garde Rose, Mademoiselle Rose. Il s'agit en fait d'un établissement qu'on appelle un IML. Non, c'est l'international, même si Guy Bourmet. Non, pas exactement, non. Moi, je sais. C'est l'immeuble des malades de Guy Bourmet. Non, je suis désolé de vous décevoir, mademoiselle Rose, non. En fait, l'IML, c'est l'Institut Médico-Légal. Médico-Légal? C'est ça. Vous voulez dire que c'est... C'est ça, oui, c'est la morgue, quoi. Voilà. Enfin, c'est là où on fait les autopsies. Comment ça, les autopsies? Absolument, je suis médecin légiste et c'est d'ailleurs la raison de ma présence ici. Je suis là pour déterminer les causes de la mort de ce monsieur Lenoir. Et vous êtes arrivé à quelle conclusion? À ce stade, je ne peux pas encore être catégorique, mais quand même, il semblerait qu'une lame très effilée, type coupe-papier, soit à l'origine de la blessure mortelle. Oh, mais que c'est malheureux! Un homme de lettres tué par un coup de papier! Non! Oh, eh bien oui, mais écoutez, pour une fois, elle en aura trouvé une. Une quoi? Eh bien, une cible. Une cible? Oui, une cible. Mais pourquoi une cible? Eh bien, on a toujours dit que le noir fait l'âme sensible. Bien. Eh bien, cette fois-ci, la lame a trouvé sa cible. L'âme sensible, l'âme avec cible. Je vois que mon humour ne lui est pas très accessible. C'est plutôt vrai, fait. Oui, c'est vrai qu'en matière d'humour, je suis une fine lame. Oui, ouais. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ça fait plutôt désordre, mais, ouais. Mais en même temps, je crains que nous ne pourrons pas le transporter, il est beaucoup trop lourd pour nous. À moins qu'on le découpe en morceaux. Eh bien, on a qu'à demander autant, peut-être. Pardon, mademoiselle Rose, vous voulez dire? Eh bien, c'est vous, docteur, tout à l'heure, vous avez dit qu'on était un peu scié. Absolument, c'est incompréhensible. Alors écoutez, moi j'étais au courant pour les marmottes. Ouais. Les marmottes qui emballent le chocolat dans le papier d'alu. Ça. Mais alors les taupes, j'étais pas au courant. Mais si, docteur, c'est tout à l'heure quand vous avez parlé de la morgue. Il est bête. C'est gros, c'est trop varié. Vous n'êtes pas au top. Oui. Oui, en effet, je crois qu'on peut dire ça. Oui. Vous n'êtes pas au top du tout. Là. Bon,
Mesdames et messieurs, flash spécial. Nous interrompons notre spectacle en raison d'un pic de température dû au réchauffement climatique. En effet, comme vous avez pu le constater sur la scène, même les comédiens, enfin, surtout les comédiennes, ne sont pas très maîtres de leurs hormones. Afin d'être en règle, nous nous devons d'appliquer cette nouvelle loi votée par notre gouvernement en catimini juste avant le spectacle. C'est-à-dire que dès que la température excède 49,3 degrés, obligation est donnée d'aérer les locaux et d'équilibrer l'air ambiant par l'allumage de tout système le permettant. Exemple, cigarettes électroniques, tabac, cigares, oui, pipe aussi si vous voulez. Quoique, avec le froid qu'il fait, je ne suis pas sûr. Enfin bref, cette loi impose également l'obligation de consommation de rafraîchissement et pour ce faire, le bar est ouvert. Tout abus d'alcool sera récompensé par un séjour. Par un séjour en prison, c'est ça. En attendant que vos serveurs bénévoles prennent votre commande, nous vous proposons un petit interlude. Thank you.
C'est l'existence d'un passage secret. Vite, ras-le-bol. Il faut s'en délivrer. Ça m'étonne pas.
discrètement. Nous sommes-nous, mon père? Silence. J'ai l'étrange impression que nous sommes épiés. C'est comme si une centaine de dieux nous observaient. Oui, oui, oui. Mais quoi, Lopette, il serait temps de faire la lumière sur cette affaire, hein, parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Approchons-nous, Ralbol. Et n'oubliez pas, observation. Oui. Déduction. Oui. Synthèse. Regardez ce spécimen. Elle est pas dans la lumière. Que constatez-vous? Vous voulez qu'on la mette un peu dans la lumière? Oh, bah, parce que sinon, je vois rien, moi. Oh, non, que non, personne ne la voit. Bernard, voilà. C'est important, quand même. Parce que si on se trompe, au moins, les autres pourront nous le dire. Qu'est-ce que je constate? Je sais pas, c'est... Voyez sa surface. C'est une femme. Ça y est, je sais, c'est une femme. Ah, voilà, les détails. Ouais, regardez sa surface frontale. Oui, qu'est-ce qu'elle a, sa surface frontale? Petite observation. Sa surface frontale est plutôt large. Ah oui, maintenant vous me le dites. Petit 2, déduction. Grande surface frontale égale grand cerveau. Ah, wow, mes félicitations, madame. Et petit 3, synthèse, amour à l'bol. Je vous écoute. Oui. Je sais pas. Oh, bah que madame a pris la grosse tête. Mais vraiment, vous êtes désespérable, hein? Bah vous en déduisez quoi, vous, hein, petit malin? Élémentaire. D'après sa large surface frontale, son propriétaire est une intellectuelle. Oh, oh, ça y est, j'ai compris. Oh, j'ai compris, ça y est, je sais comment ça marche. Voilà, à mon tour, je vais le faire aussi. D'avoir déjà vu cette tête quelque part. Oui, ben moi je trouve qu'il se passe des choses étranges dans ce manoir. On se croirait dans un asile de fous, hein. Bon, reprenons la démonstration. Ah oui, c'est mon tour. Ah, c'est mon tour. Voyons. Qui est le plus dans la lumière? Non, toi t'es trop malin. Attends, je vais en chercher un, parce que je les connais, les hommes. Voyez cet homme, chère Lopette. Oui. Petite observation. Contrairement aux apparences, sa surface frontale est plutôt étroite. Vous ne devriez pas avoir de surface frontale, donc pas de cervelle,
Et vu le nombre d'hommes qu'il y en a sur ça, nous ferions mieux de partir. Allez, hop, on s'en va. J'ai pas l'air idiote quand même, franchement, messieurs, j'ai l'air, Alors laquelle, madame Lavande?
c'est pas fini de vous autopsier. Venez ici. Mademoiselle, venez, je crois que je suis terminé de mon autopsie. Amenez des tons, amenez des tons. Je suis un monstre à l'anus. Je suis un descendant sur. Alors, pourquoi
Allô, oui, nous sommes en communication. Allô, oui, nous sommes en communication. Ça vibre, ça picote, ça tarabiscote. Ça picote, ça tarabiscote. Passez-le-moi, passez-le-moi. Tu as mis la clé. La clé. Parlons-nous, parlons-nous, conversons. Où avez-vous mis la clé du garage? Où avez-vous mis la clé du garage? Allez, dites-moi où est la clé. Par la main.
Ah, vous me tentez! Non, mais moi, je vous préviens! J'ai porté plainte! Et ça va saigner! Ah bon, je crois qu'on l'a contravaillé, là, le gris. Vous peut-être n'avoir porté plainte. Et ça va saigner, moi, j'aime pas ça, hein. Mais enfin, saigner, elle exagère peut-être, non? Il faudrait la relâcher, peut-être. Qu'est-ce que vous en dites, vous, le gris? Ouais, je crois que ce serait une bonne idée, ouais, de la relâcher, hein. Non, attendez, le gris. J'ai une bonne idée. On va appeler la police et leur demander un renseignement. Sans leur dire que vous êtes là. Ah, oh, mais c'est une excellente idée, ça, colonel. Ah, mais oui, Marie, t'es géniale, hein. Oui, mais non, c'est pas possible. Au téléphone, ils vont pas l'être pas voir. Mais non, le gris. On les appelle, on demande un renseignement. Et on leur dit vraiment que vous êtes pas là. Ah ouais, comme ça, je veux bien. Je vais vous faire le numéro. Allez-y. Et vous n'essayez pas de vous enfuir. Hein. Vous la surveillez, Lily, hein? Je la nègre. Mais si elle bouge, je la décapite. Et vous les travaillez? Non, ça va. Je maîtrise la situation. Vous voudrez, mais moi, mais voulez-vous ne pas bouger? Viens, Lily, viens. Bougez, hein? Bougez. Est-ce que je bouge, moi? Ah oui, bouge, lui. Oui, allô, la police? Non, je ne dis pas. Oui, allô, la police? Non, je ne dis pas. C'est pour harcèlement sexuel, je ne dis pas. Oui, allô, la police? Non, je ne dis pas. Oui, allô, la police? Non, ce n'est pas l'inspecteur Le Gris, vous avez dû faire un faux numéro. Le Gris, faites-moi le numéro, je vais leur parler. Ça saute. Ah, mon portable aussi qui vient. Allô? Allô, la police? Oui, inspecteur Le Gris à l'appareil. C'est colonel Moutard. Ah, colonel Moutard, quel bon nom vous amène? Le Gris. Oui. Vous n'avez pas fait mon numéro. Colonel, c'est vous qui m'appelez, donc c'est un peu vous qui avez pas fait le bon numéro, non? Le Gris. Oui. Derrière vous. Colonel, je finis ma conversation et j'arrive. Allez, mon petit Legri, donnez-moi le numéro, je vais le faire. Faites le 17, c'est la ligne directe. Ça va saigner! Hop! Allô, la police? Oui, ne quittez pas, je vais vous expliquer. Mes amis et moi, nous venons d'arrêter un malfaiteur. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Oui? Oui, d'accord. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il rit, là? Je comprends rien, il est mort de rire. Oui? Mais comment ça qui suis? Je suis le colonel Moutarde. Mais oui, je réside au vieux manoir, c'est bien ça. Il dit quoi, donc toujours pareil? Je comprends toujours rien, il est toujours mort de rire. Oui, bon, d'accord. D'accord, ok. Merci, hein. Excusez-nous pour le dérangement. Alors, j'ai rien compris. Il m'a dit qu'attendre dans le panier à salade, il fallait la mettre au réfrigérateur. Je vous prends en mot, colonel. Là, tout de suite.
et des amis de Monsieur le Noir. En réalité, je suis le célèbre Sherlock. Et voici mon acolyte, Miss Marple. Nous sommes des amis de Monsieur le Noir. D'ailleurs, où est-il, le Noir? Il est vrai que dans le noir complet de ce passage secret, nous n'y avons plus que du feu. Bon, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Moi, j'avais même pas la loupe. Oui, bien, vous ne croyez pas si bien dire pour le noir. Vous pouvez parler de Monsieur Feu le Noir à présent. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Le noir. Mon ami le noir, il est... Ben oui, c'est ça. Zigouillet, clame, c'est des sous, des fumées, c'est un métal. Enfin, il a fait une histoire, quoi. J'adore ces frais. Alors, si je comprends bien, c'est pas un, mais deux meurtres qu'il va falloir résoudre. Vous avez raison. Après le blanc, c'est le noir. Cela s'assombrit. Enfin, moi, je peux vous dire que la mère Leblanc, elle n'est pas morte. Bon, excusez-moi, colonel Moutarde, mais j'ai moi-même examiné Madame Leblanc. Je peux vous garantir qu'elle est morte d'une morsure de couleuvre. Alors, mais ça devait être une couleuvre blagueuse. Parce que la mère Leblanc, elle était bien dans ses chaussettes, enfin les miennes. Ah, vous voyez les chaussettes, ça, de tout à l'heure. Eh bien, nous étions sur la bonne piste, il faut toujours se fier à son nez. Oh. Oui, surtout lorsqu'il s'agit de chaussettes, mon cher Sherlock. Ah, capote. Oui. Regardez, mais vous allez... N'approchez pas ou je la sais. Mais ça fait, docteur, vous n'allez pas l'autopsier vivante. Oui, parce que quand même, si j'avais pu mourir de mon vivant, j'aurais préféré. Hein. Écoutez, mademoiselle Rose, oui. Cet homme n'est pas docteur. C'est un assassin. C'est le pire des assassins. Oh, mon Dieu. Oui, bon, c'est vrai. Mais ça, c'était avant. Voilà. Avant quoi? Eh bien, oui, je l'avoue, j'étais venu broyer le noir. Ah, et me venger. Ah, enfin, qu'est-ce que c'est, là? Vous n'auriez pas vu le chat, mon petit chien? Pardon, je vous dis. Enfin, Madame Violette, c'est peut-être pas le moment, hein, quand même. Ah, pardon. Madame Brunette, c'est vous, je ne vous avais pas reconnue avec ce collier en forme de couteau. Alors, mon petit chien? Écoutez, Madame Violette. Si vous voulez, je chercherai votre chien dès que j'en aurai fini avec cette affaire. En attendant, asseyez-vous là. Oh, merci, monsieur Sherlock. J'y tiens, vous savez, ce chien m'a été offert par ma famille, les Baskerville. Ne vous inquiétez pas, madame Violette. Sherlock résoudra l'énigme des chiens de Baskerville, mais après cette histoire. Vous pourriez peut-être me lâcher un petit peu maintenant, hein? Ouais, si vous voulez, mais vous bougez pas, vous restez à côté de moi, d'accord? C'est mes bons voyants. Oh là là, je vais être en week-end avec Philippe. Et heureusement qu'il n'y a que moi qui suis ici, hein. Heureusement que je suis là. Oui. Vous en étiez à... J'étais venu broyer le noir. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. J'étais venu broyer le noir pour vous prouver ma supériorité et pour vous plonger dans la honte. Allez, Geoffrey, viens à côté de toi. Patron, tu peux redevenir mon complice et mon majordome.